Apprendre, il y a tellement, c'est vraiment excitant, Blippi. Hey, c'est moi, Blippi. Et aujourd'hui, nous sommes à France Miniature, dans la ville d'Elancourt. Ouais. Cet endroit est un parc d'attractions génial, avec toutes sortes de miniatures. Ouais. Une miniature, c'est une version beaucoup plus petite de quelque chose de vraiment très très grand. Ouais. On peut même y trouver une reproduction miniature de toute la France. Ouh. Par contre, il pleut un peu aujourd'hui. Une chance, j'ai mon parapluie et mon blouson. Je suis impatient de découvrir cet endroit, de bien m'amuser et de monter dans une attraction. On y va. Ouh, wow! Il y a tellement de choses fabuleuses ici. Tout plein de miniatures, des endroits super à explorer et beaucoup de bâtiments miniatures. Wow! Regardez, c'est un train miniature. Oh. Wow! Wow! Vous avez vu? Wow! Vous avez vu toutes ces voies ferrées? Il y en a tellement! On dirait qu'il y en a une, deux, trois et quatre! Quatre voies ferrées miniatures! Oh! Il y a beaucoup de trains! Wow! Vous l'avez vu? Hey! Je me demande bien où vont tous ces trains! Suivons-les! On va découvrir tout ça! Wow! C'est parti! Wow! Mieux vaut regarder où on met les pieds. Ah bien sûr, ce sont des trains. Mais n'oubliez pas, ce sont des modèles réduits. Et moi, je suis un géant. Wow, regardez, c'est une gare, les amis. Oui, je crois que c'est bien ça. Oui, la gare de Limoges. Wow, c'est trop cool. Regardez, il y a des petites voitures, des personnages qui viennent prendre leur train. Et en plus... Oh, il y a d'autres trains qui arrivent. Allez, on va voir. Je me demande quel sera le prochain train. Wow, regardez. Wow, en France, les trains sont très rapides. Ouais, super rapides. Wow. Oui, les gens adorent prendre le train parce que c'est plus facile et qu'ils peuvent vous emmener un peu partout. Oui, vous pouvez aller en train de Paris à Marseille et cela ne prendra qu'un peu plus de 3 heures. Wow. Et ces villes sont loin l'une de l'autre, donc c'est plus facile en train. Moi aussi, j'aime prendre le train. C'est super. Et il y en a de toutes sortes. Wow. Regardez un peu ça. On dirait que ça ressemble à une route avec des voitures. Demande où elle mène. Hé, venez. Wow! Je passe une super journée. Vous savez où je me trouve, là? Je suis au bord de la mer Méditerranée. Enfin, une mer Méditerranée miniature. Oui, la vraie Méditerranée est beaucoup plus vaste. Vous avez vu? Il y a plein de bateaux. Wow! Et aussi une grue. Ce qui veut dire que nous sommes dans un port. Regardez! Il y a même une grue automatisée. Oui, et cette grue est très utile. Vous savez, les bateaux vont dans un dock ou dans un port parce qu'ils transportent des choses d'un pays à un autre pays. Ou alors d'un port à un autre port. Ouais, c'est beaucoup plus facile de transporter des marchandises sur l'eau. Mais tous ces objets sont rangés dans des gros conteneurs. Et regardez, il y en a des miniatures juste ici. Oui, ils sont remplis de marchandises. Et cette grue permet de soulever des conteneurs très très lourds. Hé, oh, on dirait qu'il y a une question ici. Alors, comment appelle-t-on les gens qui travaillent dans un port, comme celui-ci? Hey, je pense qu'on va le savoir en regardant sous l'un de ces gros conteneurs. On va voir. Wow, regardez! Ces boutons permettent de contrôler la grue. Wow, hey, vous avez vu? Peut-être que la réponse est ici. Allez, on y va. Wow, la grue le soulève. Hey, une seconde. Ça n'a pas l'air d'être la bonne réponse. On devrait en essayer une autre afin de découvrir le nom des gens qui travaillent ici. Allez, on réessaye. Wow. Et si on essayait celui qui est posé sur le rose? C'est parti, au travail. Wow, regardez, on a trouvé.
C'est comme la pêche, mais c'est de la pêche au conteneur. Et je l'ai eu. Wow, les dockers. Oui, ça c'est la bonne réponse, les dockers. Oui, les personnes qui travaillent sur les docks, ce sont les dockers. Et ils font plein de métiers différents. Oui, c'est la grue qui soulève les conteneurs, mais ce sont les dockers qui aident à les déplacer au bon endroit pour que la grue sache quoi faire. Et surtout pour s'assurer de la sécurité. D'autres personnes travaillent sur les bateaux pour emmener les conteneurs à leur destination. Ouais, il y aurait beaucoup à apprendre sur ces métiers, mais aussi sur ces miniatures, comme le port autonome de Marseille. Wouhouhou ! Oh, regardez ça ! Oh, il fait sombre ici ! En fait, c'est parce que nous sommes dans une grotte préhistorique. Wow ! Oui, elle est préhistorique ! Vous savez ce que veut dire ce mot ? En fait, ça date de l'époque où on n'écrivait pas encore l'histoire, ce qui s'est passé. Oui, ce que l'on sait de la préhistoire, c'est grâce à ce que l'on trouve dans la nature ou bien dans la terre, ou encore sur les murs des grottes. Vous avez vu ça ? On dirait des animaux, mais de très vieux animaux. Oui, taureaux, et des chevaux. Oui, toutes sortes d'animaux. Wow ! Au fait, vous avez remarqué ? Cette grotte est plutôt petite. Eh bien, c'est parce que c'est aussi une miniature. Oh ! Vous savez, les grottes où vivaient les gens étaient en fait bien plus grandes. Wow ! Regardez ! Avec cet écran, on dirait qu'on peut dessiner dessus. Et ensuite, ça apparaît sur le mur. Oui, un peu comme les gens qui ont vécu il y a très longtemps. Comme ceux qui dessinaient ces animaux. Alors, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir dessiner ? Peut-être qu'on pourrait écrire mon nom ! Ok ? On va essayer. Je vais prendre cette brosse de couleur blanche. Allez, on épelle ensemble. D'accord ? C'est parti ! B L I P P I Blippi ! Bien joué ! Oh ! Hey, vous avez vu ? Regardez ! Ça s'est affiché sur le mur ! Comme quand les gens dessinaient sur les murs il y a très longtemps, pendant la préhistoire. Wow ! Mais étant donné que c'est une œuvre d'art, on va rajouter des décorations. On pourrait essayer de prendre du rouge et de dessiner un... des étoiles ! Une étoile, deux étoiles, trois étoiles, et allez, encore une ! Quatre étoiles ! Et... peut-être qu'il manque quelque chose. Si on faisait des pois. Oh, les pois, c'est marrant. Allez, on dessine des pois. Wow, regardez. Wow, ah, des pois un peu partout. On peut aussi ajouter des formes, comme un cercle, un triangle et un carré. Wow, une vraie œuvre d'art. C'est magnifique. Merci pour votre aide. C'était une super idée. C'était tellement amusant de pouvoir admirer toutes ces miniatures. Wow, on dirait même qu'il y a un bateau miniature. Wow, regardez. Ça, ce n'est pas un bateau miniature, c'est un manège. Ouais, on est dans un parc d'attractions. J'ai tellement hâte de l'essayer. Hey, ce manège s'appelle Même pas peur. Il va donc falloir être courageux. Ça va être super génial. Allez, c'est l'heure d'embarquer. Suivez-moi. C'est parti. Parfait. Tout d'abord, la sécurité. On vérifie que notre ceinture est attachée. Ok, ceinture bouclée. Et il n'y a plus qu'à tirer sur cette corde pour que tout le monde sache que je suis prêt. Et aussi que je suis bien attaché. Ah, allez, on tire. C'est parti. Au revoir. Wow. Wow. Ouhouhou. Regardez comme c'est haut. Hello. Ouh. Je peux voir la tour Eiffel. La miniature, en fait. Wow. Wow! Ouais, c'était super!
Wow! C'était une super journée, trop cool! Et ce manège est génial! En plus, on a pu voir plein de miniatures! Ouais! Comme, entre autres, des trains, des bateaux et une grotte préhistorique! Wow! Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Mais si vous voulez voir mes autres vidéos, vous pouvez chercher mon nom! Hey! Vous voulez qu'on les pèle ensemble? Ok, vous êtes prêts? C'est parti! B-L-I, B-B-I, Blippi, bien joué! Bien, à la prochaine! Je crois que je vais le refaire encore une fois. Bye bye! À bientôt! À la prochaine! Bye bye! C'est moi, Blippi! Et aujourd'hui, nous sommes sur la Tamise en Angleterre, à Londres! Et je suis surexcité parce que nous sommes sur un bateau de fête où on peut danser et où on peut prendre le goûter! Ouais! Ça va être tellement amusant! On ferait mieux d'entrer parce qu'il fait un peu froid! Waouh! Ça va être tellement amusant! On va naviguer sur le fleuve de la Tamise! Oui! D'ailleurs, c'est un très long fleuve! C'est en fait le plus long fleuve d'Angleterre. Il fait 346 km de long. Waouh! Ouais! Et peut-être qu'on verra des choses incroyables dans toute la ville. Il se pourrait même qu'on doive passer sous des ponts. Alors reste attentif. Waouh! Il y a tellement de bâtiments sympas à voir quand on est sur la Tamise. Ouais! Et regarde celui-là. Wow! On le surnomme le Talkie-Walkie. Ouais! Oui, allô? Allô, Blippi? Allô, Blippi? Ouais! Tu sais pourquoi on l'appelle le Talkie-Walkie? Et regarde! Wow! Il a exactement la forme d'un Talkie-Walkie! Ouais, c'est trop cool! Wow! Regarde de ce côté! Ouais. Wow! Celui-là est tellement grand! Ouais! Et il est en fait en verre et en métal! Et il est très pointu, comme un triangle. Oh! Regarde ça! Tu vois? Ouais! Ce pont juste là s'appelle le London Bridge. Waouh! Tu as déjà entendu parler du London Bridge? Ah, tu l'as peut-être même vu à la télévision ou dans des films. J'adore regarder des films. On y voit tout plein de ponts. Et d'ailleurs, en parlant de ponts, je crois qu'on s'approche justement d'un pont. Oh! Ce pont est vraiment, vraiment grand. Il s'appelle le Tower Bridge. Ouais! On est presque arrivé. Wow! Regarde! C'est le HMS Belfast. Wow! Et ce bateau est un peu plus grand que le bateau sur lequel on est. Ah, il est vraiment grand. Wow! Il y a tout un tas de couleurs. Ouais! Il y a d'abord différentes nuances de bleu. Bleu clair, bleu foncé et du gris. Wow! Ouais! On a atteint un autre pont! Oui! Il s'appelle le Tower Bridge et il est tellement grand et tellement beau! Regarde ça! Le Tower Bridge a non seulement deux grandes tours, mais c'est aussi un pont pour que les voitures puissent passer dessus et que les bateaux puissent passer en dessous. Il est gigantesque! Hein? Ouais! Et il est absolument magnifique! Il a l'air si vieux avec ses pierres et ses drapeaux. Wow! Regarde! Wow! Wow! Hey, tu vois ça? Ouais! Juste là, au centre du pont, il peut s'ouvrir. Ouais! Il y a deux parties du pont. C'est un pont basculant. Et ça veut dire que le pont peut s'ouvrir en deux et faire de la place, beaucoup de place, dans le cas où de gros bateaux voudraient traverser de l'autre côté. Ouais, c'est un pont basculant. Il peut s'ouvrir en deux. Wow!
Wow, c'était tellement amusant de s'éloigner du quai en bateau et de descendre la Tamise. Mais je trouve que le temps est un peu en train de se gâter. Ouais, il fait froid dehors. Allons à l'intérieur et voyons ce qu'il y a à découvrir sur ce bateau. Wow, nous sommes dans le bateau. Ouais. Et j'ai encore du mal à tenir debout ici. Wow. C'est très mouvementé, ouais. Tiens, tu as vu où on est? J'ai l'impression qu'on est sur une piste de danse. Oui. Il y a un plancher en bois pour qu'on puisse danser. Ici, il y a des haut-parleurs. Et ces choses-là ressemblent à de jolies lumières qu'on utilise pour faire la fête. Wow. Mais attendons qu'il fasse nuit pour ça. Toutes ces lumières seront encore plus belles. Je me demande ce qu'il y a derrière cette porte. Viens avec moi. Hello. Je peux monter? Bien sûr. Oh! On dirait que c'est l'endroit où est le capitaine. Wow. Hello. Comment tu t'appelles? Je m'appelle John. John, enchanté. Enchanté, Blippi. C'est bien moi. Tu es le capitaine du bateau? Exactement. Wow, c'est un bateau vraiment cool que tu as là. Wow, et c'est quoi que tu tiens? C'est le gouvernail. Ah, il est vraiment magnifique. Il a l'air vieux. Il l'est. Oh, c'est rigolo d'être le capitaine d'un bateau. Oh oui. J'en ai bien la pression. Tu veux conduire? Oh, je peux vraiment? Oh, ce serait génial. Wow, je conduis et je dirige le bateau. Si je veux aller à gauche, je dois juste tourner le volant. Oui. Oui, mais pas trop vite. Il faut y aller petit à petit. Ok. Oh, et maintenant le bateau va vers la gauche. Et si je veux aller à droite? Ouais. Ah, je fais pareil de l'autre côté, petit à petit. Il ne faut pas aller trop vite. Tu peux aller un tout petit peu plus à droite. Wow. Je conduis le bateau. John, c'est génial. C'est vrai. Oh, et à quoi servent tous ces trucs? C'est le tableau de bord avec les compteurs de vitesse, de carburant et... Oh! Les feux de navigation lorsqu'il fait trop noir. Wow, c'est trop cool! Il y a des feux de navigation s'il fait nuit. Et ça te dit combien de carburant tu as. Wow! Et c'est peut-être mieux que John conduise le bateau. C'est un très bon capitaine. Wow! Merci de m'avoir laissé conduire. Avec plaisir. À bientôt! À bientôt, Blippi. Wow! C'était génial! On ferait mieux de ne pas déranger le capitaine lorsqu'il conduit. On va continuer notre exploration. On va voir en bas. Viens. Wow. Regarde. Là, c'est le Cutie Sark que l'on voit. Wow. Il est tellement rapide, tellement gros et tellement vieux. Ouais. Ce bateau était même l'un des plus rapides de son époque, c'est-à-dire il y a plus de 150 ans. Ouais. Ce bateau-là était utilisé lors de la grande course du thé. Ouais. Il prenait du thé en Chine pour le vendre. Et il était aussi utilisé pour ramener de la laine d'Australie. Wow. Il était tellement rapide et il est tellement vieux maintenant. Bonjour, Cutie Sark. Regarde ce que c'est! Ce bâtiment est le dôme du millénaire! Wow! Et regarde là! Il a des antennes jaunes qui ressemblent un peu à des pics. Et le dôme est de couleur blanche. Ouais! Le dôme du millénaire est l'endroit parfait pour aller voir des concerts et pour manger plein de bonnes choses. Hey! Tu sais ce que c'est un millénaire ou pas? Ouais, un millénaire représente en réalité 1000 années. En fait, on a construit le dôme du millénaire justement en l'année 2000 pour commémorer un nouveau millénaire. Wow! Et l'inauguration a eu lieu le soir du nouvel an en 1999. Wow! Ah, il est impressionnant. Je pense que ça a été très difficile de construire ce bâtiment. Regarde ce qu'on a là! Oh, salut, je m'appelle Blippi. Et toi? Je m'appelle Josh. Ravi de te rencontrer, Josh. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'heure de prendre le thé.
Et tout ça, c'est pour moi? Ouais! Oh, merci, Josh. De rien. À plus tard. Wow, regarde ça! C'est l'heure du thé! Et tout a l'air tellement délicieux! Ouh. Wow! Il y a tellement de belles choses ici! Ah, regarde là! Tiens, il y a ce qu'on appelle des scones. Des sandwichs de toutes sortes et des sucreries. Les trois S que les Anglais prennent avec leur thé. Et regarde, tout en haut, il y a tout un tas de macarons, tous très colorés. Et la partie la plus importante d'un goûter anglais, c'est le thé. Il y a la tasse de thé, une cuillère et une sous-tasse. Ouh. Attends, j'allais oublier la bouilloire avec le thé. Ok, il est temps de se servir du thé. C'est parti. Wow. Ça a l'air tellement savoureux. Ouais. Est-ce que tu as déjà goûté du thé? Oh. Ouh. Il va falloir que j'attende un peu parce que l'eau est très chaude et je pourrais me brûler. Je vais commencer par goûter ces délicieux gâteaux. Ouh. Qu'est-ce que je vais goûter en premier? Voyons. À ton avis. Par où commencer? Je crois que je vais commencer par ce qu'il y a en bas. Ouais. Là, on va goûter le scone. Et je vais le couper en deux comme ça. Ouais. Ensuite, je vais étaler une sorte de crème et de la confiture. Délicieux. Allez, je vais goûter. Wow. Wow. Ce scone était vraiment délicieux. C'est tellement savoureux. Je vais me contenter d'une bouchée parce qu'on a beaucoup de choses à goûter. Je vais goûter le sandwich maintenant. D'abord, on peut goûter un sandwich au fromage. Ensuite, je vais goûter le sandwich au concombre. Miam! Pour finir, hey, goûtons celui-là. Wow, c'est un sandwich au saumon. Wow, regarde, il y a du fromage frais et du saumon. Oh, tout ça a été délicieux. On a goûté les scones, ensuite les sandwichs. La seule chose qui reste, ce sont les sucreries. Je vais prendre une cuillère et un morceau de gâteau. Oh, je vais goûter ce gâteau anglais. Wow, les gâteaux d'un goûter anglais sont si délicieux. La seule chose qui nous reste à goûter, c'est le thé. Ok, c'est parti. Tellement savoureux. C'est une boisson revigorante. C'est vraiment délicieux. Wow, j'adore les goûters à l'anglaise. Il y a plein de bonnes choses à manger et le thé est tellement savoureux. Mais ce qu'il y a de plus important dans un goûter, c'est de passer du temps avec ses amis. Je me suis tellement amusé à explorer toutes ces choses et à danser que je n'ai pas vu la nuit tomber. Wow! Et regarde ça! Le Tower Bridge est juste devant nous. Il est encore plus beau de nuit. Il est tout illuminé et on peut voir les voitures qui passent à toute allure sur le pont. Ou les bateaux comme celui-ci qui flottent et naviguent sous le pont. Ouais! Tu es prêt? Le voilà! Hello! C'est tellement magnifique! Wow! Wow!
C'est vraiment magnifique. Le pont est tout illuminé en bleu et blanc. Hey, si la nuit est tombée, je parie que les lumières à l'intérieur sur la piste de danse seront parfaites. On devrait aller à l'intérieur et danser sur la piste de danse. DJ, c'est parti! Il est temps de lancer la musique! Ouais! J'adore les pistes de danse, c'est trop cool! Cette journée était géniale! Je me suis vraiment amusé à apprendre plein de choses sur les bateaux! Wouh! Ouais! Nous nous sommes bien amusés aujourd'hui! On a fait du bateau et on a vu tellement de choses incroyables à Londres! Ouais! On a même pu prendre le thé sur le bateau! Tous ensemble! C'était si délicieux et incroyable! Bien, cette vidéo touche à sa fin, mais si tu veux regarder plus de vidéos, cherche mon nom et le tour est joué! Hey! Peux-tu m'aider à épeler mon nom? Très bien. B-L-I-P-P-I. Blippi! Bien joué! À bientôt! Bye bye! Wouh! Venez les amis, on va s'amuser. Apprendre il y a tellement, c'est vraiment excitant. Blippi! Hey, c'est moi, Blippi! Aujourd'hui, nous sommes à Le Gardens, à Orlando, en Floride. Ouais! Je suis impatient de découvrir tous les différents types de jardins qu'il y a ici. Il y a des potagers, ce sont des jardins avec plein de légumes, comme des brocolis ou du céleri. Yum! Et plein de jardins floraux, avec de magnifiques fleurs très colorées. Je sens qu'on va bien s'amuser. Hey, je crois que j'ai vu quelque chose. Allons voir ça! Viens avec moi! Hey, tu sens? Hey, l'odorat est l'un de nos cinq sens. Connais-tu les cinq sens? Ouais, l'odorat, le goût... Oui, il y a la vue, l'ouïe et le toucher. Ce sont les cinq sens. Tu sens avec ton nez, tu goûtes avec ta langue, mais... Tu entends avec tes oreilles, tu vois avec tes yeux et tu touches avec les doigts et la peau. Wouh! Eh ouais! Wow! J'ai une super idée! Que dirais-tu de parcourir les jardins pour sentir, voir, entendre, goûter et toucher tous les légumes et les fleurs que nous trouverons ici? Ouais! Qui sait, on verra peut-être un dinosaure. On va bien s'amuser ensemble! Viens avec moi! Wow! Regarde où on est! Il y a tellement de jolies plantes ici! Wow! Regarde cette plante! Oui, ses feuilles sont très amusantes! Oh! Oui, cette plante-là a des feuilles très intéressantes. Elles sont tachetées de petits points jaunes. Mais la feuille est verte! Wow! Il y a tellement de plantes intéressantes! Nous sommes arrivés dans le premier jardin. On l'appelle le jardin tropical. Wow! Toutes les plantes qui vivent ici aiment vivre dans un endroit tropical. Oui, tropical est le mot qui désigne un endroit qui est très chaud et humide. Un peu comme la forêt tropicale en Amérique du Sud! Yeah! Les forêts tropicales sont incroyables. Hey, si nous jouions aux explorateurs en observant les plantes, comme si nous étions en Amérique du Sud, même si nous n'y sommes pas vraiment. C'est parti, allons explorer! Wow, regarde ça! Nous venons de découvrir quelque chose d'incroyable. C'est un ruisseau! Ouais! Il y a un ruisseau dans le jardin tropical. Ouais! Wow! Regarde l'eau! Elle se déplace très vite sur tous ces rochers. D'ailleurs, il y a même une petite cascade tout là-bas. Wow! L'eau va très vite, puis elle tombe tout droit! Chut! Ce qui crée une cascade! Hé! Hey, écoute! Ouais! Tu entends? C'est le bruit de l'eau qui ruisselle sur les rochers. Nous utilisons l'un de nos cinq sens.
Louis. Hé, hey, que peut-on entendre d'autre dans une forêt tropicale à ton avis? Ah, exact, des oiseaux, écoute. Tu entends les oiseaux? Ils piaillent, pépillent et babillent. C'est vraiment amusant d'utiliser Louis pour écouter tout plein de bruits différents dans une forêt tropicale. Hé, hey, allons trouver un autre endroit où nous pourrons utiliser nos sens pour sentir, voir, goûter. Il y en a tellement! Suis-moi! Hey! Wow! C'était amusant de danser ensemble, mais on a tellement dansé que j'ai fini par me perdre. Ouh! Bon, je sais que nous devons aller dans le jardin suivant. Pour y aller, il faut parcourir la forêt du Nord. Mais où est la forêt du Nord? Oh oui, suis-je bête! Au Nord! Le Nord est un point cardinal. Il indique une direction. Il y en a quatre au total. Le Nord, l'Est, le Sud et l'Ouest. Ouais! Nous devons aller au Nord. Wow, ça fait beaucoup à retenir. Je connais une astuce pour te souvenir facilement des points cardinaux. Souviens-toi de cette phrase. C'est parti. Nathalie, élève 60 Ouistiti. C'est rigolo. Bon, on sait que Nathalie commence par un N, comme le Nord. Ensuite, élève pour l'Est, 60 pour le Sud et pour l'Ouest, Ouistiti. Ouais, nous connaissons les points cardinaux. Nous devons aller au Nord. Si seulement je savais où est le Nord. Attends une minute, j'ai toujours sur moi une petite boussole. Cette boussole est super cool. Regarde. Ouais, tu vois? Ça, c'est un outil qui nous indique toujours le Nord et nous dit où aller. Ouais, il y a un aimant dans la boussole qui dit à cette petite flèche noire de toujours indiquer le Nord. Il me suffit donc d'aligner la flèche sur le N de couleur rouge. Ça, c'est que le Nord est dans cette direction. Et juste derrière la forêt du Nord se trouve le jardin suivant. Je suis impatient de voir ça avec toi. Allez, viens avec moi. Regarde toutes ces magnifiques fleurs. Wow, elles sont vraiment belles. C'est fantastique. Les arbres à fleurs sont incroyables, puisque une fois que l'arbre a bien poussé et qu'il est bien grand, il commence à fabriquer ses petits bourgeons ici, juste là. Ouais, ça ressemble un peu à un bébé fleur. Tout chou. Ensuite, lorsqu'il commence à grandir, les bourgeons fleurissent et commencent ensuite à germer. Ouais. Et enfin, les bourgeons finissent par s'ouvrir et par devenir des fleurs. Regarde comme elles sont jolies. Celle-ci est rose, blanche et elle a un petit peu de jaune. C'est génial. Oh, en plus, elles sentent vraiment bon. Oui, mais... Oui, je sens. L'odorat est encore un autre de nos cinq sens. Wow, nous avons utilisé plein de sens. Ces fleurs sont vraiment incroyables. Tu sais, non seulement elles sentent bon, mais elles dégagent aussi de l'oxygène. Ça nous aide à respirer. Elles nous aident en plus à sentir très bon. Bien, je suis impatient de découvrir les autres fleurs qu'il y a ici. Ouais, on y va! Oh! Regarde ça! Il y a tellement de fleurs colorées par ici! Ouais! Ce jardin s'appelle le jardin des couleurs. Il y a tout un tas de jolies plantes par ici. Là, ouais! Il y a des fleurs de couleur jaune, d'autres sont de couleur blanche, ici, des rouges, et il y a des fleurs violettes. Il y a énormément de couleurs ici. C'est tellement joli! Dis, à ton avis, qu'est-ce que ces fleurs ont en commun? Ouais!
Ouais, leur point commun est la couleur verte. C'est parce qu'elles ont plein de feuilles qui leur permettent d'absorber le soleil. On appelle ça la photosynthèse. Les plantes absorbent le soleil grâce à leurs feuilles pour pouvoir grandir et être en bonne santé. Les plantes et les fleurs sont vraiment très intéressantes. J'ai très envie d'observer de nouvelles plantes. Allons-y, suis-moi. Wow, tu as vu toutes ces cosses? Ouais, ces cosses sont en fait le fruit de cet arbre, le Ceiba speciosa. Wow, il est juste ici, on va voir. Le Ceiba speciosa est incroyable. Celui-ci s'appelle McDonald. Salut McDonald. Oui, ces fruits sont des cosses énormes qui poussent très haut dans le ciel. Mais il ne faut pas manger ce fruit-là. Il contient plein de graines noires et il ressemble à du coton tout poilu. Je ne pense pas que ce soit très bon. J'aimerais bien en attraper un, mais ils sont très hauts et je ne peux même pas grimper à l'arbre. Regarde, là! Le tronc du Ceiba speciosa a plein de petites piques. Tous ces cônes servent à empêcher les animaux d'attraper les graines ou les fruits. Si je touche... C'est très très piquant. Hey, je touche. On utilise un de nos cinq sens. Toucher est vraiment incroyable. Lorsqu'on touche quelque chose comme ce Ceiba speciosa, ça peut être très épineux. Mais lorsqu'on touche quelque chose comme cette feuille, c'est au contraire très doux. C'est très agréable. C'est fabuleux de toucher. C'était amusant de découvrir le Ceiba speciosa et la douceur de ses feuilles. Mais toute cette exploration m'a ouvert l'appétit. Je pense qu'il est temps d'aller chercher à manger. Viens avec moi, je suis sûr qu'on trouvera de quoi se régaler. Ouais. Wow, incroyable. Nous avons réussi à trouver le potager. Nous avons vu plein de fleurs colorées et maintenant, nous allons voir des choses qui se mangent. Regarde! Ce légume est gigantesque! Wow! Il est vraiment énorme! Ouais! Ça, c'est un chou vert! Délicieux! Il faut couper les feuilles et les cuisiner pour en faire un délicieux repas plein de vitamines! J'adore les choux! Oh! Regarde celui-ci! Ce légume a un aspect très intéressant! Cette fois, on ne mange pas les feuilles parce que c'est un artichaut. Oui, on enlève les feuilles et on mange le milieu. J'adore. On peut faire plein de sauces et de plats différents avec de l'artichaut. Oh, tout ça me donne très faim. Voyons ce que nous pouvons trouver d'autre à manger dans ce potager. On trouvera peut-être ton légume préféré. Wow, ça c'est l'un de mes aliments préférés. Ça, c'est un plant de tomate. Wow! Mais les tomates ont l'air bizarres. Une tomate est rouge, mais là, elles sont vertes. Hein, tu vois? Oh, regarde! Des tomates vertes! Il ne faut surtout pas les manger. Ça veut dire qu'elles ne sont pas encore mûres. Elles ne sont pas bonnes. Mais une fois qu'elles sont rouges, on peut déguster les tomates en salade ou les découper pour garnir un fabuleux sandwich. Bien, je ne peux pas manger ces tomates, mais regarde! J'ai ici de délicieux aliments à déguster. Je viens de les ramasser. Oh, il y a des tomates, un pamplemousse, des citrons et de petites fraises. Ouais, je suis tellement impatient de goûter à tous ces délicieux aliments. Hey, goûtez. On va utiliser un des cinq sens et c'est le sens que je préfère utiliser. J'adore goûter plein d'aliments. Oh, c'est si bon! Je sens qu'on va se régaler. Hey, j'ai une idée. Si on jouait tous ensemble à un petit jeu dans lequel il faut deviner si chaque aliment est sucré, amer, acide ou succulent. Voyons voir. Je vais les laisser ici. D'abord, on va goûter le citron. Le citron a un goût fantastique. Mais est-ce que tu penses que c'est sucré, acide ou amer? Allez.
Ce citron est vraiment acide. C'est un aliment très acide, mais c'est très bon. Bien joué. Bien, on passe à la suite. Ok, cette fois, on va goûter le pamplemousse. Le pamplemousse est une autre sorte d'agrume. À ton avis, est-ce qu'il va être plutôt sucré, acide ou bien amer? Ok, on va goûter. C'est parti! Allons-y! C'est plutôt bon. Le pamplemousse est très sucré, mais il est un peu amer aussi. Les deux étaient exacts. Bien joué! Bien, on va goûter autre chose. Oh, regarde ça! Tu dois savoir ce que c'est. Ça, c'est une fraise bien juteuse. Penses-tu qu'elle sera sucrée, acide ou amère? J'ai ma petite idée là-dessus. C'est ça! Cette fraise était bel et bien sucrée! Ouais! C'est un régal! Bon, on a goûté plein de choses. Il ne nous reste qu'un aliment. Wow! On va goûter cette tomate. J'ai déjà mangé de la tomate dans plein de préparations, mais jamais seule. À ton avis, est-ce que cette tomate va être sucrée, acide ou bien amère? C'est parti. Wow! C'était vraiment succulent! Elle est un tout petit peu amère, mais elle a un goût bien particulier. J'adore les tomates. C'était drôle! Allez, encore un bout. Délice! Wow! C'était très amusant de jouer à ce jeu avec toi. Oui, on s'est bien amusé. Voyons s'il reste quelque chose à explorer. Nous verrons peut-être un dinosaure. Ce serait super génial! Ouais, on y va! C'était très amusant de parcourir les jardins avec toi. On a vu tout un tas de plantes incroyables et plein de fleurs. On a même appris à utiliser nos cinq sens. Hey, si on jouait à un jeu en utilisant nos cinq sens? Ouais! C'est l'heure du labo à bulles. On va utiliser cette très grande boîte sensorielle. Ouais, le principe est d'essayer de deviner ce qu'il y a dans la boîte. Sans pouvoir regarder. Ouais! Quel est cet objet mystère? Je n'ai pas d'idée. Ok, voyons si j'arrive à le deviner. Ok, cette partie-là est plutôt dure, mais ici, c'est plutôt humide et gluant. Donc, c'est dur et c'est mou. Ah, je vois. Et en plus, c'est tout filandreux. Ouais, on dirait des fils. Tout un tas de cordes. Mais pourquoi sont-elles humides? Ah, ne me dis pas que ce sont des vers, hein. Qu'est-ce que c'est? Hey, je crois que j'ai deviné. Ce sont, je pense, des spaghettis. Je vais voir la réponse. Ok, voyons voir. Ouais, j'avais raison. Ce sont des spaghettis. Wow, regarde tous ces spaghettis. Maintenant qu'on les voit, on sait ce que c'est. Oui, on peut les voir, on peut les goûter. Yum. Ça a bon goût. On peut aussi les toucher, mais pas les entendre. Ils ont une petite odeur en revanche, mais ça ne sent pas très fort non plus. Ça ne sent pas mauvais, mais je ne sais pas si ça sent bon. Ça sent juste les spaghettis. Bien, nous avons deviné les spaghettis. Voyons ce qu'il y a d'autre dans la boîte. Ok, allons-y. C'est encore gluant. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est rigolo de mettre ses doigts dedans. Ouais,
C'est tout mou. Ouh. Ah, je peux l'attraper. Waouh, tu as entendu? Ouais! Quand tu le tords, il fait de petits bruits secs. Waouh! C'est gluant et mou. Je crois que je sais. Je dirais que cet objet est du slime. Allez, on va voir. Waouh! Regarde ce que c'est! Hey, je ne pouvais pas le voir! Je ne savais même pas de quelle couleur il était. Mais il est de ma couleur préférée, le bleu! Ouh! C'est très élastique! Wow! Wow! Je l'ai cassé. Ah, c'est pas grave. On peut recoller les morceaux comme ça. Wow! On peut le toucher. On peut le regarder. Il est bleu. Son odeur est aussi très agréable. J'adore l'odeur de ce slime. Ouais! On peut l'écouter. Ouais! On ne peut pas le goûter en revanche. Oui, le slime ne se mange pas. Je pense que ça a très mauvais goût. Waouh! Nos 5 sens sont incroyables! Ouais! Bien, cette vidéo touche à sa fin. Mais si tu veux regarder plus de vidéos, cherche mon nom et le tour est joué! Hey! Peux-tu m'aider à épeler mon nom? Ouais! On y va! B-L-I-P-P-I! Blippi! Bien joué! Bien! Je vais aller planter quelques fleurs. Hop là! À très bientôt! Bye bye! Aloha! C'est moi, Blippi! Et regarde où je suis! Aujourd'hui, je suis à Oahu, qui est une île de l'archipel d'Hawaï. Waouh! C'est pas magnifique! Les arbres sont tellement verts, il y a tellement d'herbes partout, et les arbustes et les arbres ont l'air si heureux. Wow! Hey, ce serait pas vraiment cool de voir à quoi ressemble ce magnifique endroit depuis très haut dans le ciel? Ouais! Pourquoi ne pas faire un tour en hélicoptère et voir à quoi ça ressemble? Quelle chance j'ai, puisqu'un hélicoptère très spécial à Oahu va arriver et me faire un tour. Ouais, j'ai tellement hâte! Tu l'entends? Ouais! Oh, oh, il est juste là! Waouh! Oh, ils volent haut! Wouhou! Coucou là-haut! Waouh! Oh, je suis tellement excité! Je suis presque sûr que tout va sembler vraiment petit de là-haut! Waouh! Oh, il atterrit! Génial! Waouh, j'ai vraiment hâte! Maintenant que les rotors sont arrêtés, pourquoi ne pas aller dire bonjour? Oh, 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 c'était vraiment cool! Hey, comment tu t'appelles? Je m'appelle Doug, je suis le pilote en chef des hélicos. Oh, ravi de te rencontrer, je suis Blippi. Waouh, je dois dire que c'est un hélicoptère vraiment cool. Waouh, ça fait combien de temps que tu pilotes des hélicoptères? Depuis environ 20 ans. Waouh, depuis 20 ans? Hey, ça fait vraiment longtemps alors. Tu sais combien d'heures tu as passé à piloter des hélicoptères? J'ai plus de 5000 heures au compteur. Oh, ça fait vraiment beaucoup d'heures tout ça. Waouh, ça te dérange si je regarde de plus près l'hélicoptère? Vas-y. Waouh, suis-moi. Waouh, quel hélicoptère coloré. Il y a du orange. Ouh, et du jaune. Ouh, et du marron. Hey Doug, à quoi ça sert ce truc? C'est une marche pour que les passagers puissent monter dans l'hélicoptère. Ah, cool. Oh, et je vois qu'il y a des sièges à l'arrière. Ah, oh, et des sièges à l'avant aussi. Combien de personnes peut accueillir cet hélicoptère? Le pilote peut emmener jusqu'à 4 personnes. Waouh, cool! Et quel est le nom de cet hélicoptère? C'est un MD-500. Waouh, un MD-500! Waouh! Et là-haut, je crois que je sais ce que c'est. Ce sont les rotors, n'est-ce pas? C'est ça. Waouh! Et à quoi servent ces rotors? Les rotors tournent comme un ventilateur et soufflent de l'air vers le bas. La portance générée soulève l'hélicoptère du sol. Waouh, cool! Ces rotors principaux génèrent de la portance pour que l'hélicoptère vole. Je crois qu'il y a un autre rotor par ici. On peut aller le voir? Bien sûr. Waouh! Ouais, ce rotor-là est appelé le rotor de queue. Oh! Cool! Et à quoi il sert, Doug? Il sert à faire tourner l'hélicoptère pour pouvoir aller dans n'importe quelle direction. Ah, je vois.
Le rotor principal crée la portance et ensuite ce rotor-là fait tourner l'hélicoptère à gauche et à droite. Ouais, c'est trop cool. Oh, je crois savoir ce que c'est. C'est la queue, non? Waouh! Et est-ce que ça, c'est le numéro et le nom de cet hélicoptère en particulier? Ouais, c'est le numéro de queue. Le numéro de queue. Je viens d'avoir une idée. Qu'est-ce que tu dirais qu'on lise ça tous les deux en même temps? Allez. Allez, on y va. M3 5 7 M H. Wow, génial! Wow! Hé, c'est quoi ça, Doug? Ici, c'est le moteur. Ok. Tu le vois? Ah ouais, j'adorerais ça. Ah, génial! Ça va être trop cool de voir le moteur d'un hélicoptère. Oh! Viens voir ça! Wow! Ah, je vais faire très attention. Il pourrait être encore chaud. Ça m'a l'air très complexe. Wow! Et là, derrière, regarde comme c'est sale! Ça doit être le pot d'échappement. Oh! Merci beaucoup de nous avoir laissé regarder le moteur de l'hélicoptère. Wow! De rien. On peut regarder à l'avant? Bien sûr. Ah ouais! Hé! Hey! Attends une seconde, je sais ce que c'est. Ce sont des patins d'atterrissage, n'est-ce pas? Waouh! Et pourquoi sont-ils si différents comparés à ceux d'un avion? Ici, il n'y a pas de roues ni de pneus. C'est vrai, un avion a des roues parce qu'il doit atterrir en avançant sur une piste et ça l'aide à ralentir. Mais un hélicoptère peut ralentir avant d'atterrir sur le sol et descend tout droit. Waouh, cool! Les hélicoptères peuvent donc aller dans beaucoup plus d'endroits parce qu'ils peuvent atterrir et décoller en restant à la verticale comme ça. Cool! Waouh, c'est là que tu t'assieds? C'est exact. De ce côté-là? C'est le siège du pilote. Waouh, cool! Ouh, et comment ça s'appelle? On appelle ça le collectif. Ah, un collectif? Ah, je m'en souviens. C'est ceux qui contrôlent la portance verticale, c'est bien ça? Oui, ça nous fait monter et descendre. Waouh, cool! Et ça, c'est le cyclique? Ouais. Et à quoi ça sert? À diriger l'hélicoptère. Waouh, cool! Et regarde, toutes ces jauges, à quoi est-ce qu'elles servent, Doug? Il y a des jauges qui donnent des informations sur le moteur et d'autres nous indiquent la hauteur et la vitesse de vol. Waouh! Ah, tout ça a l'air très compliqué. Tu dois être intelligent. Waouh! Et il y a différents types d'hélicoptères, non? Les hélicoptères bombardiers d'eau, les hélicos de sauvetage. Ou les hélicoptères de police. De quel type est celui-là? C'est un hélicoptère de tourisme. Ah, de tourisme. Parfait. J'avais justement envie de découvrir l'île depuis le ciel. Et ce serait l'hélicoptère parfait pour ça. Parce que tu as vu les portes? Eh non, parce qu'il n'y a pas de portes. Ça te dit d'aller faire un tour? Allons-y. Où est-ce que je dois m'asseoir? Monte sur le siège avant avec moi. Ok, cool. Wow, wow! Alors, je peux monter? Bien sûr, monte. D'accord. Cool! Wow, c'est très haut! Wow! C'est confortable! Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Il faut que tu mettes ta ceinture. Serre-la bien, surtout. Ok. On s'attache comme dans une voiture. Et voilà, c'est fait. Et on fait quoi maintenant? Prends le casque orange qui est là et mets-le pour qu'on puisse se parler. Oh, cool! Le orange est l'une de mes deux couleurs préférées. Très bien. Allô, allô. Tu vas en porter un aussi? Exactement. Ok, alors c'est parti. Oh, je suis tellement excité. Oh. C'est parti. C'est tellement incroyable de pouvoir voler dans le ciel. Oh. Regarde tous les arbres qu'il y a sur la gauche. Ah, ils sont bien verts. Waouh, regarde ça! Sur la droite, il y a une gigantesque montagne! Tu vois comme elle est escarpée? Waouh, ça monte et ça descend tout droit! Waouh, on va vers l'océan! Waouh, et regarde ça! Ça ressemble à une petite ville, tout près de l'océan! Waouh, ça doit être sympa de vivre là! Waouh, et regarde par ici! Ça, c'est la grande montagne qu'on a vue quand on était encore au sol! Waouh! Ah, c'est tellement cool qu'il y ait des arbres tout en haut de la montagne. Wow! Et maintenant, on a de la chance de pouvoir admirer l'eau bleue de l'océan. Wow! Doug, tu es un si bon pilote. Tu nous fais voler jusqu'au-dessus de l'océan. Wow! T'as vu ça? L'océan est tellement vaste. Je parie qu'il y a beaucoup de créatures marines qui vivent là-dessous. Wow! Regarde le sommet de la montagne. Est-ce que tu vois cette ville en bas? Waouh, je suis sûr qu'ils ont une belle vue. Mais pas aussi belle que celle que nous avons. C'est comme si on était un oiseau.
Ça, c'est absolument magnifique. C'est une vallée très profonde. Waouh! Et les plages s'étendent sur une longue distance. Waouh! On ne peut même pas voir les rochers sur ces montagnes. Elles sont entièrement recouvertes d'arbres, de buissons et d'herbes. Je suis sûr que plein d'animaux habitent ici. Wow! Regarde là, une chute d'eau! Elle est incroyablement haute! Wow! On dirait bien que l'eau part d'en haut et descend jusqu'en bas en glissant entre les montagnes. Wow! Cool! Tout ce paysage est tellement beau! C'est comme si j'étais un oiseau. Je vole et je vais absolument partout où je veux. Enfin, je vais plutôt où Doug veut aller. Le soleil pointe enfin le bout de son nez. Oh, c'est tellement beau à voir. Waouh, je suis sûr qu'on pourrait bronzer aujourd'hui. Hey Doug, merci beaucoup pour cette balade en hélicoptère. C'est tellement amusant. Oh, regarde ça. Je vois ici la plage. Je vois des terres agricoles et même de jolies montagnes. Waouh, Oahu est un endroit tellement spécial et vraiment beau. Waouh, est-ce que t'as vu ça? Ouais, on dirait qu'il y a quelque chose dans l'eau. Oh, je sais ce que c'est. C'est du corail. Ouais, les coraux sont des organismes vivants et c'est très joli de les regarder depuis le ciel. Waouh, regarde tous ces instruments et ces jauges. Ils sont très difficiles à lire, mais ils donnent aux pilotes des informations très importantes. Waouh, regarde, Doug utilise ce cyclique pour qu'on vole en toute sécurité. Oh, hey, c'est quoi ces trucs? Ce sont des cercles? Mais, attends une seconde, c'est quoi ça? Ah, oh, je sais ce que c'est. C'est un banc de sable. Ouais, c'est juste du sable qui se trouve sous l'eau. Enfin, il ne se trouve pas très profond sous l'eau. Hey, regarde ça! Sur cette île se trouve l'université d'Hawaï. C'est là qu'ils étudient beaucoup de choses intéressantes comme la vie sous-marine, les créatures et les plantes. C'est vraiment cool. Ah, c'est la parcelle de terrain d'où nous avons décollé tout à l'heure. Je parie que Doug va atterrir juste ici. Wow, 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 ce voyage était tellement amusant. Wow, maintenant on est de retour en sécurité sur le sol. Wow, c'était tellement amusant. Merci pour la balade, Doug. De rien, Blippi. Hey, à plus tard. Salut. Oh, partons d'ici. Il y a une autre tournée à faire. Wow. C'était tellement amusant, n'est-ce pas? Je sais. Wow, on a pu voir plein de belles choses. On a pu voir une chute d'eau. Wow, cette eau avait l'air très froide. Oh, et tout ce corail. Oui, à la plage. Wow, j'aime vraiment l'île d'Hawaï. Wow, cette île est vraiment magnifique. T'as vu? Ça tourne. Wow, et ces montagnes, est-ce qu'elles n'étaient pas vraiment hautes à côté de nous? Et elles paraissent encore plus hautes quand tu les vois depuis le ciel. Hein? Wow, les hélices tournent tellement vite. J'espère que les prochains passagers apprécieront leur tour en hélico. J'aime beaucoup l'île d'Hawaï et j'ai adoré découvrir comment fonctionnaient les hélicoptères en ta compagnie. Bien, si tu veux regarder plus de vidéos, cherche mon nom et le tour est joué. Peux-tu m'aider à épeler mon nom? Prêt? B-L-I-B-P-I Blippi. Bien joué! Génial! Aloha! Wouhouhouhou! Hey! C'est moi, Blippi! Et regarde où on est! Ouais! Aujourd'hui, nous sommes à Adventure City, à Anaheim, en Californie! Cet endroit est trop cool! Ouais! Ils ont beaucoup de manèges ici! Oh, 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 j'adore les manèges! Est-ce que tu es déjà monté dans un manège? Oh, oh, cool! Allez, on va voir ça! Suis-moi! Wow! Oh, 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 oh! Regarde ça! Des avions! Wow! J'adore les avions! Ils volent si haut dans les airs!
Ouais, comme des oiseaux. Mais en fait, ce sont des machines. Les avions sont d'ailleurs un moyen de transport très utilisé. Waouh! Ils nous emmènent d'un endroit à un autre et ils volent super vite. Waouh! Peut-être que je devrais monter dans l'avion. Waouh! Ouais. Et dans tout transport, il faut s'assurer qu'on est en sécurité. Donc, on attache sa ceinture. Hop, c'est tout bon. Je suis bien attaché. Alors prêt, feu, go! C'était vraiment très amusant. Wow! Ouais! Maintenant que le manège est arrêté, je peux détacher ma ceinture. Et nous pouvons continuer notre visite du parc. C'est très amusant. Tu trouves pas? Bien, je dois y aller les avions. Bye bye! Wow! Une autre partie vraiment cool d'Adventure City se trouve juste ici. Il y a beaucoup de brume. Ouais, la brume, en réalité, c'est juste de toutes petites particules d'eau. Je vais aller à l'intérieur. Wow! À très vite! Wow! Wow! J'ai l'impression d'être sur un nuage! Wow! Wow! Hey! Au revoir! Wow! Wow! C'était génial! Ouais! C'était tellement amusant de visiter toutes ces attractions et ces manèges! Wow! Ouais! Et c'est tellement amusant de découvrir tous les différents moyens de transport! Cet endroit est vraiment génial! Hé! Hey, attends! Il est écrit la gare d'Adventure City. Je me demande si le prochain manège est un train! Hey, je pense que c'est ça! Et les trains sont encore un autre moyen de transport! Ouais, on y va! Wow! Ça va être tellement amusant de monter dans ce joli train! Wow! Regarde toutes ces couleurs! Ouais! Ce train est de couleur rouge, verte, jaune et les portes sont noires! Wow! Il existe différents types de trains qui fonctionnent différemment. Ouais, il existe des trains diesel, des trains à vapeur, et il existe même des trains qui roulent grâce à l'électricité. C'est trop cool! Ouais! Oh. C'est parti! Et qu'est-ce qu'on dit? Tout le monde à bord! Wouhou! Tchou-tchou! Wow! C'est génial! Wow! Je me demande bien ce qu'on va voir. Oh! Wow! Ici, il y a beaucoup de plantes. Ouais! Et les plantes sont très importantes pour la planète. Ouais! Oh, hello! Bonjour! Wow! C'est vraiment super amusant! Wow! Génial! Il y a tout un tas de ballons super cool!
Wouhou! Et il y a du foin comme si on était dans une ferme. Wouhou! Et juste derrière ce buisson, il y a un carrousel. Wouhou! 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 Vraiment très joli ces buissons. Wouhou! Wouhou! On dirait qu'on est dans une ville. Wouhou! Il y a une bibliothèque dans cette ville. Il y a même un bureau de poste. Wouhou! Et ça, c'est une école. J'adore les écoles. Oui, c'est là que tu apprends plein de choses. Wouhou! Est-ce que t'entends ça? Ouais, c'est la cloche du train qui sonne pour prévenir les gens qu'on va arriver. Wouhou! Et il y a même un troupeau de chèvres juste là. Salut les chèvres, salut les poulets. Ouais, ils ont même un petit zoo pour enfants ici. Au revoir. Wow, des montgolfières. Ah, j'adorerais faire ce manège. Il a l'air très amusant. Voilà. Wow. Wouhou. Wow, regarde des avions. J'aime beaucoup les avions. Ouais. Ouh, ouais. Des montagnes russes. Wow. Les montagnes russes sont un manège qui peut être très rapide, mais c'est très amusant. Ouh! Incroyable, une cascade! Oh, regarde! J'ai l'impression qu'on est dans une jungle ou bien une forêt tropicale. Je crois que les grenouilles venimeuses vivent ici. Et des toucans aussi! Ouais! J'adore les oiseaux! Wow! Trop bien! C'était tellement amusant de se promener dans ce train à travers les manèges et d'explorer le parc d'Adventure City! Wow! Wow! Eh bien, maintenant qu'on a vu des avions et puis des trains, je me demande ce qu'on va pouvoir trouver ensuite. Ouais, on y va! Oh, incroyable! Une autre attraction! Wow! Regarde! J'ai l'impression que c'est un véhicule de police! Une voiture de police ou un camion de police! C'est trop cool! Et ici, il y a un véhicule que les pompiers utilisent! Oui! Ils appellent ça un camion de pompiers! Wow! Et ça, c'est une ambulance! Wow! Tous ces véhicules sont des moyens de transport eux aussi! Ouais! Et en plus de ça, ce sont tous des véhicules d'urgence! Oui! C'était vraiment génial! Wow! Wow! Ouais, nous avons vu des avions, des trains et des automobiles! Je me demande ce qu'on va pouvoir trouver d'autre. Wow! Est-ce que t'as vu ça? Ce sont des montagnes russes! Ah, ça, j'adore! Les montagnes russes! C'est tellement amusant de s'asseoir dedans! Wouah! Ok, je vais aller sur les montagnes russes! Viens vite! Wow! Ça va être tellement amusant! Viens! Wow! Regarde toutes les couleurs de ces sièges! Wow! Cette attraction s'appelle le Freeway Coaster. Très bien. Celui-ci est de couleur violette. Ouh, c'est un siège noir. Oh, oh, un siège bleu. Un siège rouge. Et le tout dernier siège est un siège jaune. À ton avis, quel siège devons-nous prendre?
Hey, que dirais-tu de prendre le siège bleu? Ouais, c'est l'une de mes deux couleurs préférées. Tu le savais déjà, n'est-ce pas? Ouais. Ok. C'est parti. Wouhou. Je suis prêt. Il s'assure que tout le monde soit bien en sécurité et que tous les sièges soient bien serrés. Je suis tellement excité. Ouais. C'est parti. C'était vraiment sensationnel! Wow! Ces montagnes russes sont encore un autre moyen de transport qu'on peut utiliser! Mais il n'est pas très efficace parce que on a commencé et on a fini au même endroit! C'est rigolo! Bien, cette vidéo touche à sa fin. Mais si tu veux regarder plus de vidéos, cherche mon nom et le tour est joué! Est-ce que tu peux m'aider à épeler mon nom? P-L-I-P-P-I! Blippi! Bien joué! Ouais! À très vite! Bye bye! Venez les amis, on va s'amuser. Apprendre il y a tellement, c'est vraiment excitant. Blippi! Regardez où nous sommes! On est au Fantastic Playtorium de Bellevue, à Washington! Allons s'amuser un peu! Salut! Hey! Wow! Regardez cet endroit! Oh! Regardez! Oh! C'est un trampoline! C'est un piano! Regardez ça! Wow! Oh, à l'aide! Wow! De faire un looping. Oh. Allons voir d'autres trucs super fun au Fantastic Playtorium. Venez. Wow. Regardez ça. Wow. Ouh. On met les balles juste là. Regardez. Je les mets par là. Wow. Ok. Mettez-vous là. Prêt? Oh. Ok. Wow. Qu'est-ce que ça fait, ça? Un bouton rouge. Wow.
Regardez ça! Restez là! C'est un fusil à air comprimé! C'est un gros fusil! Mettons plein de balles dedans! Wow! Encore une fois! Oh. Ok, vous êtes prêts? On compte à 3. 3, 2, 1, go! Hey! Ok, venez, venez par là! Wow! Oh, 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 toutes ces couleurs! Allez, venez! Wow! Wing, wing, oh, oh! Fiou! Wow! Fiou! Wow! Ce cube est de couleur bleue. Ce cube est de couleur jaune. Et ce cube est de couleur rouge. Wow! Regardez ça! Je vais tourner autour. Wow! Wow! C'est le tournis. Oh, venez, venez. Oh, regardez. Venez par là. Il faut rester sur les pierres. Regardez. Oh, il y a des alligators et des crocodiles au fond. Je reviens vers vous. Oh. 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 Ok. Oui. Ce cylindre a plusieurs couleurs ici. Là, le bleu, vert et orange. Bleu, vert et orange. Oh! Wow! Il y a quelque chose de très épineux par là. Regardez ça! Oh. Wow! Wow! Oui, oui!
Ok, allons au-dessus. Par ici. Ouais. Oh, regardez, des escaliers. On dit les couleurs. Vert. Jaune. Vert. Jaune. Wow, ça rebondit bien. Oh, wow, venez par ici. Regardez. Un toboggan. Ok, j'y vais d'abord et puis vous me suivez, ok? Wow! Ouh! Ouais, bien joué! Ok, restez ici, j'y retourne une fois. Wow! Ce toboggan est fun! Oh! Allons voir ce qu'il y a d'autre par ici, venez! Tu veux monter? Wow! Maintenant, on va par là. Oh, regardez! Ding, 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 ding. Wow! C'est comme des pyramides, regardez! Wow! Une pyramide bleue, pyramide jaune, une pyramide verte et pyramide orange. Ah. Wow! Wow! Regardez ce ballon piquant! Il est de couleur rose et blanc. Wow! Rouge et le clown est bleu juste comme moi. Oh, ça fait un peu peur. Je vois à travers. Regarde! Oh! Jaune et rouge. Jaune, rouge. Jaune, rouge. Oh, et qu'est-ce que c'est par là? Oh! C'est une sorte de toile d'araignée. Oh! Mes jambes sont coincées. Oh! Oui! 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 Oh! Ah, je peux plus sortir! Ouais, je vais essayer de sortir pour de bon maintenant. Ah oh. 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 Oh, j'ai réussi. À passer par là. Je vous retrouve de l'autre côté. Oh. Ah, reculons encore. C'est vraiment plein de couleurs. Wow! Regardez! Wow! Regardez encore une balle piquante!
va piquer. Ok, regardez ça. Vous voulez y aller d'abord? C'est un tunnel. Allez-y en premier. Bien joué. Ok, j'arrive. Wow. 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 Regardez. Ouais! Il y a plein de lanières vertes par ici. Et aussi plein de couleurs de nénuphars. Restez sur le vert. Oh! 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 Je suis coincé. Plus sortir maintenant. Oh. Ok, vous restez là et je passe devant. Pour le toboggan. Ici. J'y vais en premier, ok? Un grand toboggan bleu! C'est parti! Ok, à vous, allez! Bien joué! Retournons dans l'espace avec toutes les balles. C'était trop fun! Il y a des fusils juste ici. Tu pousses le bouton qui est là. Oh. 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 Ouais. Oh. Venez ici encore. Il faut remettre les balles là-dedans. Ouais. Mettez-vous là. Et puis regardez là-haut, je vais verser les balles sur vous. Venez par là. Venez. Laissez les balles tomber sur vous. Ouais. Oh. C'est parti. Oh. Wow. C'était super fun. Le... Wow. Le Fantastic Pletorium de Bellevue à Washington. Oh!
Blippi! Oh, et regardez ce que j'ai! De très bons légumes! C'est très bon pour la santé! Et je suis bien rassasié, là! Et après avoir fait un bon repas, qu'est-ce qu'on va manger ensuite? Oui! Un dessert! Et aujourd'hui, on est au Bones Candy d'Issaquah à Washington. Ça va être trop vraiment super bon! Venez! Oh! Regardez cet endroit! Miam! Je ne sais même pas ce que c'est! Mais ça a l'air super bon! Wow! Hey! Des caramels! Oh! Des chocolats! Hey! Je pense qu'on devrait apprendre comment faire toutes ces friandises! Wow! Wow! Chocolat, chocolat, chocolat! C'est sûr, on aime le chocolat! Hey, regardez là! Regardez comme ça sort de l'embout juste là! Vous voyez? Oh! Regardez ce que j'ai! Oh! Un truc en plastique avec des lettres dessus. Vous savez quelle lettre est ici? Ouais! C'est la lettre B! Vous connaissez quelqu'un dont le nom commence par la lettre B? Oui! C'est mon nom, oui! Blippi! Hey, j'ai une idée! Remplissons un de ces B avec du chocolat chaud. Prêt? Oh! Wow! Wow! Regardez ça! Il a fait couler le chocolat juste ici. Ok, maintenant, on doit le mettre juste là. Et puis, on va le secouer pour que toutes les bulles s'échappent. Et utiliser ce pinceau à chocolat. Ou ce pinceau au chocolat. Ok, en marche! Oh! Bien! Maintenant que toutes les bulles d'air ont disparu, mettons-le au frigo. Hey! Savez-vous pourquoi on le met dans le frigo? Ouais! Souvenez-vous, tout à l'heure, j'ai dit « le chocolat est très chaud ». Il faut le refroidir pour qu'il devienne tout à fait dur. Le chocolat est solide quand il est froid. Vous voyez? Pas de chocolat sur mes doigts. Bon, maintenant, la prochaine étape, mettons ça ici et on va le faire sortir. C'est parti! Oh! Oh! Oui! Regardez! Un chocolat B! B! Quel autre mot peut-on trouver qui commence par la lettre B? Brun? Ouais! Ce chocolat est de couleur brun. Et pourquoi pas un bourdon? Oh! 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 Ouais! Comme un gros bourdon! Ok! On le met dans la boîte. Boîte commence aussi par la lettre B. Ok. Bye bye B. Et voilà. Hey, en parlant d'emballer le chocolat, regardez ça. Wow. Ok. Wow. Wow. Regardez ce qu'elle fait. Elle met tous ses chocolats dans toutes les boîtes. Wow, bien joué. C'est bien ce que je fais. Merci, monsieur. Est-ce que c'est fun? Oh, Blippi, c'est vraiment trop fun. Vraiment. Cool. Eh bien, voici à quoi ça va ressembler quand elle aura fini. C'est sûr. Ok, maintenant, terminons l'emballage. Alors, il nous faut cette boîte de chocolat. On met cette protection. Et puis, un prospectus. Bombs Chocolates, placé sur le dessus. Et puis, on met le couvercle de la boîte, là. On fait glisser dans le plastique. On le pousse sous la machine à sceller. On referme. Ah, parfait. Ok, maintenant, on a besoin d'un pistolet à air chaud. On appelle ça filmer le plastique. On chauffe le plastique qui se tend et devient tout lisse. Et voilà.
Ça, c'est plutôt fun. Wow! Wow! Ouais, ça commence à être vraiment bien. Ok, c'est bon. On peut le retourner. Et puis, quand c'est bien chaud et bien tendu, alors on accroche un nœud. Hop, sur le dessus et le dessous. Et voilà! Vous voyez? Ça, c'est une très belle boîte. Très belle et boîte. Commence par la lettre B. Et Booms également. Je vais l'emmener à la maison. Wow! B, L, I, P, P, I. Bibi. Oh! Ces bonbons ont l'air trop bons. Ah! Ils sont sur un très long tapis roulant. Je me demande comment ça marche. Oh! Je peux essayer? Bien sûr. Regardez ici. Prenons deux morceaux. On met un morceau là et mettons le deuxième, juste ici. Ensuite, ça roule sur ce très long tapis roulant. Oh! Là, il y a du chocolat qui se colle sur le dessous. Wow! C'est cool à regarder. Wow! Ça sèche un peu par ici et ça va très lentement. Vous voyez comme ça défile lentement? Wow! Oh! Et regardez! Un autre endroit où le chocolat se colle sur le fond. Wow! C'est super fascinant à regarder. Maintenant qu'il y a deux couches sur le fond, l'étape d'après, c'est juste là. Qu'est-ce que vous faites? Je recouvre les monts Rainier avec beaucoup de chocolat pour éviter les trous. Wow! Donc, ils mettent beaucoup de chocolat sur le dessus. Oh, regardez! Ça a l'air bon! Suivez-moi de l'autre côté! Wow! Qu'est-ce que vous faites? Maintenant, je rajoute de la neige de chocolat blanc sur le mont Rainier. Oh! Regardez ça! La neige de chocolat blanc! Wow! C'est de plus en plus bon! Et puis, juste là, ça refroidit. Et puis, venez par là! Wow! Qu'est-ce que vous faites? Je mets tous ces chocolats sur le plateau. Wow! Une fois ces chocolats terminés, ils sont rangés sur un plateau. Regardez! Wow! Wow! Regardez-les! Miam! Regardez! On dirait des petits triangles! Avec de la neige sur le sommet, exactement comme le mont Rainier. Wow! Miam! Wow! Regardez! J'ai du chocolat dans ce tube plastique. J'ai coupé le bout et avec, je vais faire une œuvre d'art. Prêt? Wow! Ça sort! Ok, dessinons un triangle. Et voilà! Bien joué! Et pourquoi pas un rectangle? Oh! Oh, ce rectangle ressemble à une tablette de chocolat! Hé! C'est une tablette de chocolat! Et si on épelait mon nom ensemble? Prêt? B L I P Et... Oui! Regardez! Blippi!
Ça a l'air exquis. Que dessiner d'autre? Je sais! Des lignes dans tous les sens. Wow! Oui! Oh! Oh! Et voilà! Quand ce sera sec, ça va être super bon! Ah! Wow! Regardez ça! Ça, c'est une tablette de chocolat géante! Oh! C'est hyper lourd! Wow! Avez-vous déjà vu une tablette de chocolat aussi grosse? Eh bien, moi, non! Ok, ok, ce que je vais faire, ça va vraiment en mettre de partout. Alors, la première chose à faire, c'est d'enfiler un tablier. Parfait! On l'attache à l'arrière. Wow! Maintenant que j'ai mis le tablier, on peut briser cette tablette de chocolat. Mais là, on dirait un marteau, non? Mais ce n'est pas un marteau normal. Ce marteau n'est utilisé que pour briser cette grosse tablette de chocolat. Prêt? Ouais! Ouais! C'était génial! Encore une! Une autre! Et voilà! Ça, ce sont des bouts plus petits, mais toujours assez gros. Ensuite, on va l'emmener jusqu'au réchaud. Mais d'abord, il faut retirer le couvercle du réchaud. Et puis... Oh, regardez! Ils l'ont déjà enlevé pour moi! Merci bien! Ouh, regardez ça! Regardez! Regardez! Wow! Ça m'a tout l'air d'un très bon chocolat. En fait, ça réchauffe le chocolat pour le faire fondre. Bien, c'est parti! Regardez! Oh! Ouais! On remet le plateau. Et puis, on va prendre ce gros bol et le mettre juste ici. Et quand je vais ouvrir ça, tout le chocolat va se mettre à couler. Prêt? Wow! 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 Ça a l'air trop bon! Oh, c'est vraiment lourd! Ok, on emmène le chocolat par là-bas. Et une fois sur place, on va préparer des Rocky Road! Vous connaissez les Rocky Road? C'est vraiment bon! Bien! Donc, comme ce chocolat était très très chaud, on l'a laissé refroidir juste un tout petit peu de temps. Voyez? Voilà un très bon chocolat, juste un peu moins chaud. Bien! Alors, on a du chocolat, et puis, on prend quelques noix. Ça a l'air assez bon. Et puis, on prend aussi quelques chamallows. On met les chamallows d'abord, et puis on mixe tout ensemble. Mouah! Ok! Et voilà! Regardez! Waouh! Ouais! Il faut mixer le chocolat et les chamallows bien ensemble jusqu'à ne plus voir de blanc. On voit juste le chocolat. On y est presque! Waouh! Bien, ça a l'air plutôt bien mélangé. Vous voyez ça? On dirait des chamallows recouverts de chocolat. Bien. Maintenant, il faut incorporer les noix dedans. Alors, on les saupoudre dedans et on mélange. Ok. C'est parti! On mélange! Wow! Là, ça a l'air vraiment bon. Bien, donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est prendre tout ça et le mettre sur la table. Ça va faire un sacré bazar. Alors, la première chose à faire, c'est de mettre ces énormes gants. Ouais. Oh! Regardez la taille de ces gants! Ils vont jusqu'en haut du bras. Wow!
Et puis, on enfile cet autre gant. Ok. Oh. Oh. J'ai mis deux énormes gants. Un et deux. Et puis, on enfile une autre paire de petits gants. Maintenant, on est prêt. On touille une dernière fois. Ok. On met la grosse cuillère par là. Et ce qu'on va essayer de faire, ce sont des grosses bûches qui ressemblent à ça. Vous voyez ça? Wow! Ça a l'air trop bon. Alors, on prend ça, on le met sur la table et on en fait une très longue bûche. Prêt? Wow! C'est fou comme c'est mou! Et ça sent tellement bon! Oh! 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 Et voilà! Wow! Oh! C'est tellement fun! Ok, il y en a encore un peu. Ok, ça c'est un bol que j'aimerais bien lécher. Ok, encore un peu. Bien, je pense qu'on a tout mis. Bon, je pousse le bol là-dessous et maintenant je vais lui faire prendre la forme d'une très longue chaîne de montagne. Ce genre de forme, avec des petits monts. Wow! Ça a l'air bon? Ou est-ce que ça a l'air super bon? Bien, maintenant ce qu'on va faire, c'est le laisser sécher. Et puis, on va se régaler! Bien joué! Regardez ça! C'est ce qu'on appelle le Rocky Road! Oh! Vous voyez ce que je fais? Je me lave les mains. Et je les lave vraiment bien. Car ce que je m'apprête à faire nécessite l'usage de mes mains. Bien! Je les sèche rapidement. Oh! Ça va être fun! Oh! Bien. Là, mes mains sont bien propres. Alors, je vais utiliser mes mains comme un thermomètre. Vous savez ce que c'est, un thermomètre? Un thermomètre vous aide à prendre la température. Suivez-moi. Wow! Oh! Et la température du chocolat que je vais utiliser est très importante. Voilà pourquoi je n'utilise pas de gants. Pour pouvoir être sûr que la température est parfaite. Vous voyez ce chocolat juste ici? Il est très chaud. Alors, prenons-en un peu. Et mettons-le sur la table. Ouais, juste comme ça. Parfait. Je pose ça juste là. Ensuite, on l'étale bien partout, bien comme ça. Et ce qu'on fait ici, c'est préparer des truffes. Waouh! Elle est vraiment forte! Regardez! Waouh! C'est fascinant! Ici, je passe ma main comme ça, pour être sûr que c'est à la bonne température. Bien! Ça a l'air parfait pour moi! Alors, avec ma main gauche, je vais prendre un peu de beurre de cacahuète et prendre un peu de ce truc blanc. Je le mets juste ici, je le fais rouler. Oh! Oh! Je dois continuer à bouger ma main droite, c'est pas évident. C'est un peu comme se masser le ventre et se caresser la tête en même temps. Ok, regardez. Oh! C'est super dur! Mettons-la dans la main. Paf. Ah.
a l'air pas mal. On va faire la prochaine un peu plus grosse. Voilà. Oh, je suis pas très bon. Mais un peu de pratique et ce sera parfait. Ok, et voilà. Bien, je la mets dans ma main encore une fois. Pouf. Bien. Et voilà. Wow. Celle-ci a beaucoup de chocolat. Et voilà. Oh, regardez comme elle est forte. Bien, j'en fais une toute dernière. On y va. Une petite torsade. Je la mets juste là. Pressons un peu de chocolat sur dessus. Wow! Ça ressemble à une bonne truffe. Bien. Maintenant que j'ai terminé, je vais aller me laver les mains de nouveau. Allons par ici. Attention. Wow! Bien. Comme je l'ai dit, c'est fini. Et ces chocolats vont être trop bons. Vous savez quel autre chocolat doit être très bon? Ouais, je vais lécher le chocolat sur mes mains. Parce que toute ma production de truffes est terminée. Et enfin, je me laverai les mains juste après. C'était super exquis. Et voilà. Oh, merci. Oh, je suis trop excitée de la goûter. Vous la trouvez pas exquise? Oh, c'était trop fun d'apprendre comment on fabrique ces bonnes friandises. Comme celle-là. Ce cornet de glace au chocolat, ça va être trop bon. On a vu le tapis roulant, on a fait des truffes. Oh, salut! Des amis! Wow! Goûtons un peu ça! Alors, les enfants, elles sont comment, ces friandises? Miam! Vraiment bon! Eh bien, c'était super fun d'apprendre tout ça aujourd'hui au Bones Candy Shop! Bien, c'est la fin de cette vidéo. Mais si vous voulez voir d'autres vidéos, tout ce que vous devez faire, c'est chercher mon nom. On épelle mon nom ensemble. B-L-I-P-P-I. Bien joué! Bien, à bientôt! Bye bye! Bye!